voilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez toutes et tous bien, les amis. Alors, me revoilà donc pour une nouvelle guidance qui est générale. Soit vous prenez la guidance entièrement si cela vous parle, si cela vous correspond, soit par petit message tout simplement. Et puis, si rien ne vous parle, et ben vous zappez la vidéo. Encore un très très grand merci du plus profond de mon cœur pour tous vos messages de gentillesse envers moi-même. Merci, merci, merci. Écoutez les amis, je ne vais pas vous le cacher, il se fait tard. Je vais vous faire simplement une petite guidance. Donc on va déjà prendre mon oracle, les 70. Hein, et ensuite on ira voir avec l'oracle des lumières. Hein, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Voilà, tout simplement... je suis un peu à la bourre, donc j'estime que vous poussez un peu à vous faire une guidance. Donc on y va, d'accord. Merci aussi à vous toutes et tous hein, pour vos retours. Merci aussi à toutes et celles qui m'ont fait des demandes pour les guidances privées de vos retours. Merci, merci infiniment. Bah forcément, hein, quand c'est que du positif qui nous revient, on est de plus en plus contente, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, merci, un grand merci à vous tous. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il des messages clairs et précis hein, pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera, s'il vous plaît. Alors, ici, on vous parle du papillon, le papillon. Alors, peut-être, effectivement, vous êtes fan du papillon, on me dit là maintenant de suite, ou bien vous faites la collection du papillon, de plusieurs sortes de papillons, ou bien il y a vous-même, vous êtes en période de transformation, dû peut-être aussi à un changement d'humeur, ou bien une autre personne à laquelle que vous côtoyez et à laquelle vous vous posez des questions, on vous dit qu'il est en... où elle est en période de transformation, d'où un peu son instabilité que vous ressentez. Allez, s'il vous plaît. Non, c'est trop là. Hein. Ouh. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ici, on dit passer à l'action. Et à un moment donné, on vous dit passer à l'action. Et soyez en paix. Alors là, moi, ce que j'entends de suite, il y a quelque chose qui fait que vous êtes, c'est fou ça, oui, vous êtes un peu déçu de quelque chose, alors soit d'une situation ou de quelqu'un, bon bah ça moi je ne vais pas vous le mentir, hein. Moi la première, hein. Je vous le dis de suite, hein. De toute façon c'est pas mon oracle pour rien, effectivement je suis un peu déçu ces derniers temps, et voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué. Quand on est déçu. Hein. Et puis moi, voilà, hein, je suis déçue, je ne peux pas faire du semblant. Donc, ben, l'occurrence pour vous, c'est la même, les amis. Vous êtes peut-être déçu aussi de quelqu'un ou d'une situation à laquelle vous êtes. Et puis, on vous dit à un moment donné, de toute façon, passez à l'action, faites des choses à laquelle peut-être votre intuition vous parle pour que vous retrouviez enfin une paix intérieure. Hein. Il y a peut-être des choses que vous devriez faire. Ou alors qu'on vous met un peu en message, ou bien des signes de synchronicité aussi, c'est fort possible, les amis, mais que vous n'avez toujours pas fait. Je vous remets mon mari comme ça, ouais, nickel. Et on vous dit passer à l'action. Hein. Alors, on vous dit passer à l'action ou pas, mais écoutez votre intuition et vous saurez quoi faire. Hein. Parce que vous êtes actuellement, vous n'êtes pas en paix. Il y a quelque chose qui vous chagrine, hein, on me dit. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas stable aussi. Hein, ça vous met dans des basses énergies, on me dit. Oh là là, regardez encore. Ouais. Maman Marie est avec vous. Moi, j'adore Maman Marie. Oh, elle est tout le temps, je suis connectée à elle. Elle est de toute beauté, j'adore Maman Marie. Donc, on vous dit ici, hein, pas d'inquiétude, vous n'êtes pas seule. Maman Marie est avec vous. Alors, remettez-vous à elle pour vos prières. Ou pour que cela puisse se décanter au mieux, si vous voyez que c'est bloqué, ou vous ne savez éventuellement que faire. D'accord? On vous dit, Maman Marie est là. Elle va vous écouter, et elle va pouvoir vous aider au mieux. D'accord? Allez, s'il vous plaît, les guides d'amour, y a-t-il des messages clairs et précis? On vous dit ici, il y a un cadeau.
il y a un cadeau, une surprise qui va venir à vous. Alors, avec sous le papillon, c'est en transformation, c'est-à-dire que c'est en, comme en gestation, d'accord? Il y a un cadeau, une surprise, une proposition qui va vous être faite, mais ce n'est pas encore de suite parce que ce n'est pas encore mis en place. Et ça se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'y êtes pas encore au courant de ceci. Hein, et on vous dit ici pourquoi il y a le chiffre divin, hein, c'est christique. On vous dit de toute façon, ce cadeau-là, c'est le divin qui va faire que on va pousser certaines personnes ou alors certains événements pour que ça vienne à vous. Que ce cadeau, cette surprise ou une proposition, une opportunité vienne spécialement à vous. Bien sûr, si cette guidance vous parle, les amis, parce que je vous le rappelle, c'est une guidance générale. Allez, s'il vous plaît, mes petites amours. Alors, ici, on vous dit, oui, il y a un manque de confiance en soi. Alors, là, c'est pour consultants, consultantes aussi. On vous dit, il y a beaucoup de personnes, vous êtes en manque de confiance en vous et c'est à cause de ça que vous n'êtes pas en paix, d'accord? Vous n'êtes pas en paix avec vous-même parce que du coup, comme vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez forcément pas confiance à une situation, quelle qu'elle soit, ou à une personne comment dirais-je, mince, une personne à qui vous pensez ou voilà, hein, c'est ça. Donc travaillez votre confiance, travaillez, c'est important. On dit oui, ayez de la bienveillance aussi, hein, sous maman Marie, ayez de la bienveillance, hein, ça c'est important aussi, ayez de la compréhension, ayez aussi de la compassion, j'entends là maintenant de suite. Alors certes, c'est pas facile pour certains, certaines, parce que, alors peut-être, alors si c'est une situation à laquelle on vous a fait du mal, ou une personne autour de vous hein, qui a été blessante, ou qui on vous a fait un coup de crasse, hein, faut bien dire les mots tels qu'elles sont, hein, effectivement, c'est compliqué. Vous allez me dire, ouais, de la compassion, de la bienveillance. Je le sais, les amis, mais je vous l'ai toujours dit, hein, ne jamais vouloir une vengeance, jamais vouloir le mal, à un moment donné, ça retombe dessus. Donc non, restez toujours dans une forme de bienveillance, d'amour, de compassion, de sagesse, et vous allez voir sa paix, sa paix. Ayez la foi, la confiance en Jésus-Christ. C'est important, et tout ce qu'il y a autour, selon vos croyances. C'est important. Hein. La foi, avec la foi, vous allez aller vers tout. Avec la foi, vous allez grandir. Avec la foi, vous allez réussir, d'accord? Et la foi, c'est quoi, les amis? C'est l'amour. Et l'amour, c'est la lumière. Et Jésus-Christ, pardon, c'est la lumière et l'amour avec maman Marie et tous les autres. D'accord? Eh oui, regardez. Les synchronicités, faites des prières, les amis. Faites des prières. Visualisez, faites des prières et projectez-vous. C'est important. Si vous ne demandez pas, on ne pourra rien vous mettre dans la matière. C'est-à-dire que c'est comme eux, la notion du temps, chez eux, ça n'existe pas. Ça existe que chez nous, sur la terre mère Gaïa. D'accord? Mais en fait, même si c'est une sorte de destinée, on sait tous que pour aller vers notre destinée, il y a toujours des obstacles, des épreuves, des défis. Ok, très bien, on l'a compris. Mais il y a des fois, vous allez être au bout du bout, vous savez, le bout du bout. Et vous arrivez, vous avez beaucoup, beaucoup puisé à l'intérieur de vous, ce qui est très bien. Mais il y a parfois, vous sentez qu'ailleurs, là, c'est la fin du fin. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus de force et vous avez été au bout du bout. Donc, là, effectivement, priez, demandez et expliquez bien que là, vous avez vraiment besoin d'un message ou bien d'une aide parce que vous ne pouvez plus avancer. D'accord? Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Y a-t-il encore des messages clairs et précis? Non, mais c'est fou. À chaque fois, je prends mon oracle, il y a toujours les cartes majeures avec Jésus-Christ. Hein, qu'on aime. Donc là, on vous dit le chiffre 7. Le chiffre 7. Hein. D'accord. Alors peut-être effectivement, j'entends dans 7 jours, 7 semaines, ou bien quelqu'un qui habite au 7 comme moi, qui adore le chiffre 7, hein, qui est né au mois de juillet, on me dit. Oui.
Et là, on dit la peur. Hein. Vous avez une certaine peur, ouais. Alors, vous voyez, vous avez un manque de confiance en vous, plus une peur. Alors, bien sûr, les amis, hein, comme on sait très bien que les énergies sont interchangeables, si vous voyez vraiment, vraiment que cette guidance, elle vous parle, mais que ce n'est pas vous, c'est une personne qui a en face de vous une situation, bien sûr, vous interversez, il n'y a pas de souci. Ah, mais là, en soi, voilà, on voit bien, on appuie vraiment dessus. Soit vous passez à l'action pour une bonne fois pour toutes, pour retrouver une forme de paix, pardon. J'ai cru que j'avais perdu mon piercing. Une forme de paix, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous et évitez la peur. Hein. La peur, ça ne sert à rien, jusqu'à perdre votre temps. Allez, ici, oui, au niveau d'un homme. Ouais, au niveau d'un homme, ouais. C'est bien ce que je ressentais tout à l'heure. En fait, si vous voulez, maman Marie vous dit pas d'inquiétude. Déjà, elle est autour de vous, consultant, consultante. Ok. Mais on vous dit, s'il vous plaît, gardez une bienveillance au niveau d'un homme. Peut-être qu'il y a un homme qui vous a, c'est fou. Il y a un homme qui vous a déçu. Il y a un homme qui vous a peut-être trahi. Et ça, vous êtes déçu, vous êtes triste. On vous dit, ayez de la bienveillance, ayez de la compassion parce que c'est un homme peut-être qui fait d'apparence solide, dur, sûr de lui, or que c'est faux. C'est faux, c'est un homme qui a de la peur vis-à-vis de vous et un manque de confiance en soi au niveau de vous. C'est bizarre ça. Bon, bref, allez. Allez, s'il vous plaît. Alors, ici, tout vient à point à qui sait attendre. Oui, ben ça, on le sait. Hein. Hein? C'est vrai, les amis, on en a marre d'attendre. Même si c'est vrai, hein, je le répète, tout vient à point à qui sait attendre. On le sait tous. Oui, ben oui, il y a bien un blocage. Il y a bien un blocage. Hein. De toute façon, ces énergies du moment, on va pas se leurrer. Hein. Voilà. On vous dit, ils vous disent, effectivement, ils savent bien qu'il y a un blocage, ils savent bien que bah, y a de la peur, il y a un manque de confiance en soi, que ce soit pour vous ou pour cet homme-là, ou pour les deux, c'est aussi fort possible. Alors, on vous dit ici, hein, il y a quelque chose qui est en transformation, hein, mais en mutation, bien sûr, mais on vous dit, hein, à un moment donné, si vous en avez vraiment marre et pour retrouver une forme de paix, bah, passez à l'action ou pas, c'est à vous de prendre cette décision. Mais il vous confirme, il y a bien un blocage. Il y a bien un blocage. Il y a quelque chose qui bloque, qui fait que ça n'avance pas. Allez, s'il vous plaît. On vous dit, il y a les oiseaux qui vous parlent. Pour ceux et celles qui sont bien connectés, pardon, avec le monde naturel, le monde animal, on va dire, on vous dit les oiseaux vous parlent, hein, d'accord? Ici, on vous dit vous êtes une étoile filante, mais j'entends plutôt aussi cet homme-là, hein. Bizarre. On me parle ici, là, maintenant, de suite, que cet homme-là est une étoile brillante, or que il ne vous montre pas. Alors, si vous êtes un homme et vous aimez les femmes, c'est une femme, forcément, hein, et puis, si vous êtes un homme qui aimez les hommes ou les femmes qui aimez les femmes, il n'y a pas de souci. Tout le monde est la bienvenue sur ma chaîne, je le répète. Donc, c'est à vous de voir, hein, de changer en ce qui vous concerne au niveau à la personne à laquelle vous pensez ou une situation, du moins. On vous dit, cet homme-là, de toute façon, c'est une personne, c'est une étoile brillante. Hein. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de vrai. Mais c'est un homme qui a des masques. On me parle, c'est un homme qui a des masques et qui ne montre pas son vrai soi. Une aide. Alors là, avec l'aide, j'entends, c'est soit vous demandez une aide au niveau des prières, hein, des messages et de vous expliquer que faire, hein, ou alors peut-être une aide au niveau cercle amical, pourquoi pas, mais vraiment quelqu'un de longue date. Hein. Non, c'est trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Wouhou! Oh non, c'est trop. Allez, s'il vous plaît. Alors, on me dit, écoutez, je range tout, les amis, pas d'inquiétude. Hop, on me dit de mettre l'homme et l'étoile filante ici. Et on va nous redonner d'autres messages, d'accord? Et de me dire.
Alors, on va vers cet homme-là, à la personne que vous pensez ou cette femme-là, c'est à vous d'interverser. Et on va nous donner des messages, d'accord? Pour rassurer certaines personnes à laquelle ils sont. On me parle de désarroi, de tristesse et d'incompréhension. On me parle d'incompréhension. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, pouvez-vous nous en dire un peu plus à la personne à laquelle le consultant et la consultante pensent actuellement à la personne et à qui ça parlera forcément? Ici, on vous parle encore avec le chiffre 33. On vous dit pas d'inquiétude, Jésus-Christ est à côté de cet homme-là. Il l'aide comme il peut. Hein. Soyez en paix. Bon, déjà. On vous dit, rassurez-vous les amis, cet homme à laquelle vous pensez ou cette femme à laquelle vous pensez, hein, on vous dit, Jésus-Christ est derrière cette personne, il l'aide tant bien que mal. Donc, restez en paix, soyez en paix. On vous parle ici de jalousie, attention, il y a de la jalousie. Alors, on vous le répète, c'est un homme ou une femme qui est une étoile brillante, c'est une belle personne. Hein. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages clairs et précis? Alors, pourquoi la jalousie? Allez, s'il vous plaît, non, c'est trop. Allez, s'il vous plaît, mes petits amours, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? On vous dit, ici, restez dans une forme de gratitude, hein. Restez dans une forme de gratitude pour ce qui va y avoir, qui y a ou qui y aura. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous nous en dire un peu plus au niveau de la jalousie? Je veux savoir pourquoi la jalousie, là. Au travail. Il y a de la jalousie au travail, les amis. Alors, c'est peut-être un homme ou une femme à laquelle vous pensez, vous travaillez ensemble. Alors, on me dit, c'est soit une personne à laquelle vous travaillez ensemble ou c'est un début de travail ensemble, ou bien c'est un homme, effectivement, qui est jaloux et ça le travaille psychologiquement parlant au niveau de vous. Hein. D'accord? On va remettre ça là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît, mes guides d'amour? Je regarde le temps. Équilibre, l'équilibre, ouais. Il perd l'équilibre. Là, c'est la carte équilibre, mais j'entends il perd l'équilibre. Donc, c'est l'instabilité. Hein. Donc, voilà, c'est bien ce qu'on avait vu, dû peut-être aussi à la forme de transformation, de mutation qu'on avait vu tout à l'heure avec le papillon. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, ou y a-t-il d'autres messages clairs et précis? Regardez, Maman Marie est de nouveau avec nous. Hein. Quand elle est là. Merci, Maman Marie. On vous dit, hein, et encore, hein, là, tout à l'heure, c'était en dessous et là, c'est au-dessus. Hein. Maman Marie vous redit, soyez en paix, c'est un homme bien, vrai. Certes, il porte des masques, ou elle porte des masques. Peut-être à cause de la jalousie au niveau de votre travail, si vous travaillez ensemble, ou bien il est jaloux de quelque chose qui le dérange, ça le travaille psychologiquement parlant. Hein. Et c'est peut-être pour ça aussi que Jésus-Christ l'aide à retrouver une forme d'équilibre avec Maman Marie. Hein. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages clairs et précis? Soyez à l'écoute aux synchronicités. Soyez à l'écoute aux synchronicités. Hein. C'est important. Peut-être aussi sur votre lieu de travail. Hein. Les synchronicités, je le répète, c'est soit des heures miroirs, soit quelqu'un qui va vous dire, qui va vous parler et hop, ça va vous faire tilt. Il y a un mot, un nom, un prénom, un âge qui va vous faire tilt, qui va vous faire penser quelque chose. Ou bien... on va vous demander d'effectuer un travail et que ça va vous faire parler aussi. Ou bien, il y a tellement de choses. Hein. Allez, s'il vous plaît, des plumes aussi sur le parking. Il y a beaucoup de choses. Hein. Bah, reviens. Tout vient à point qui sait attendre. Voilà. Hein. Donc, on réinsiste. Hein. Ils veulent bien vous montrer que il faut encore un peu de patience. Restez dans une forme de gratitude, de merci. Ici, on vous dit, c'est pour bientôt. Même s'il y a encore un peu de patience, c'est pour bientôt. Cet homme-là ou cette femme-là viendra à toi. Y a-t-il d'autres messages clairs et précis avec cet oracle? Je ne sais pas. Hop. Alors, ici, on dit, écoutez. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Écoutez vos intuitions. Si vous avez envie d'exprimer quelque chose, faites-le. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le.
On vous disait tout à l'heure, c'était passer à l'action ou pas. Si votre cœur vous demande de passer à l'action ou de vous sentez que vous devez faire quelque chose, eh bien faites-le. Hein. Ne tournez pas en boucle avec ça, faites-le foncer. Faites vos choix avec votre cœur et votre âme. Non, mais voilà, hein, tout concorde, les intuitions, faites votre cœur, faites vos choix, pardon, avec votre cœur et votre âme. Excusez-moi, je me suis trompée, je me mélange. Allez, s'il vous plaît, l'équipe d'amour, y a-t-il d'autres messages? Eh ouais, c'est fou. J'en parle. Ça, c'était déjà retourné. Regardez, soyez attentifs aux heures miroirs. Soyez attentifs aux heures miroirs, les amis. Hein. Je veux dire, voilà quoi. Si vous avez l'occasion d'avoir une horloge ou une montre ou quoi qu'est-ce, soyez attentifs quand vous allez voir une heure miroir à quoi. Vous allez penser ou à ce que vous faites ou qui est avec vous ou si on vous a proposé quelque chose. Enfin, voilà quoi. Regardez, femme. D'accord? Femme. Hein. Donc, on vous dit bien, consultant, consultante, hein, on vous dit bien que ce soit femme ou homme, soyez attentifs aux heures miroirs, faites vos choix aussi avec votre cœur, votre âme, vos intuitions, c'est pour bientôt. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire ce que vous avez envie de vos ressentis. Hein, il y a l'homme ici et il y a la femme ici. Hein, je veux dire franchement, en dos de deck, retour d'homme. Moi, je pense que c'est le retour de cette femme-là ou de cet homme-là, hein, d'accord? Avec l'abondance à 100% parce que il ou elle s'est aperçue qu'il y avait de la procrastination et ça ne servait à rien du tout. De se retirer de vous et c'est attention, il y a une tierce personne ou des énergies néfastes vis-à-vis de vous, mais en tous les cas, il y a Jésus est avec vous, donc restez positif sur votre situation, les amis. On adore, on adore, on adore, on adore et on adore. Voilà, c'est dit, c'est fait, mon petit, ma petite seconde de folie. Allez, zou, on va les prendre. L'oracle des lumières. Alors, n'hésitez pas, les amis, à liker, à partager. Et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. S'il vous plaît, please. Allez, on y go, go, go. On est rendu à 22. Allez, j'en speed. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Y a-t-il d'autres messages clairs et précis pour aller en concordance avec l'oracle des 70, mon oracle, et pour toutes les personnes à laquelle cette qui danse leur parlera. Allez, s'il vous plaît. Alors, vous m'excusez, hein, moi je fais la guidance carrément avec mon manteau, le temps que le chauffage, le poêle se met en route. Ben, moi je caille. Hein. Donc je le fais. Je le fais, pardon, je le fais en manteau. Oui, j'ai cru que j'avais fait tomber une carte. Alors ici, on vous parle du chiffre 24 et pour l'été, on vous dit une rencontre. Alors, moi, ce que j'entends là maintenant de suite, c'est l'été dernier, vous avez fait une rencontre. C'est soit l'été dernier ou un an en arrière. Vous êtes rapproché de plus en plus de cette personne-là. Et c'était en été, du moins il y avait du soleil, j'entends. Regardez, amour, amour. Cette rencontre, c'est un amour. Vous avez ressenti de l'amour, vous êtes reconnu visuellement. Et vous avez ressenti quelque chose. Ça vous a déstabilisé même, on me dit là maintenant, de suite en canalisation. Vous avez été déstabilisé. Peut-être elle ou vous-même, vous avez fait un petit compliment ou un petit léger rentre dedans. Et du coup, alors la personne a été déstabilisée. En tous les cas, vous ressentez quelque chose pour cette personne et cette personne ressent quelque chose pour vous. Hein. Même s'il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est dit. Et regardez, on vous parle d'un commerce, carte 44 d'un commerce. Peut-être que vous allez monter un commerce ensemble plus tard ou bien vous travaillez ensemble dans un commerce et il y a de l'amour entre vous. Hein. Vous êtes passionné aussi de votre commerce, de ce que vous faites en travail. Ouh. Oh, c'est trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Y a-t-il d'autres messages? Oui, il y a.
Il y a un fin de cycle ici. Il y a un fin de cycle. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Fin de cycle. Il y a la fin de quelque chose au niveau d'un commerce. Il y a la fin d'un commerce, à la fin d'un travail ou un changement de poste. Un changement de collègue, changement, on me dit de collègue, changement de peut-être aussi familial, on me parle de famille. Vous travaillez peut-être en famille et on vous dit c'est la fin. C'est la fin parce que vous n'avez pas l'entente espérée. Bon, c'est à vous de voir, hein, les amis. Hein. Allez, s'il vous plaît. On me dit aussi là maintenant de suite, c'est la fin parce que vous avez décidé de mettre fin à quelque chose. Parce que vous ressentez, vous avez des émotions, des sentiments forts pour une personne et vous n'en pouvez plus. On me dit la manœuvre du temps canalisation. Et du coup, vous êtes complètement perturbé. La personne d'en face ne sait rien du tout. Et vous allez mettre fin à tout ça. Vous en avez marre. Donc peut-être un changement de travail aussi. Hein. Ouais, on vous dit là, vous allez réussir. Vous allez réussir à faire ce que vous voulez de toute façon. Vous allez vers la réussite. Vous avez des bonnes énergies, une très belle lumière. Alors attention, ici nous avons la justice. Alors il y a peut-être une justice, il y a peut-être quelque chose qui va faire au niveau de votre rencontre depuis cet été. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une instabilité qui fait que ça va redevenir stable. Peut-être cet amour-là. Vous allez tout faire pour qu'elle redevienne stable. Peut-être dévoiler quelque chose parce que regardez ici, nous avons l'amour et nous avons l'adultère. Nous avons l'amour et l'adultère. Donc je pense qu'il y a des personnes, si vous pensez fortement à une personne en regardant cette guidance, ça veut dire que vous êtes attaché à une personne, vous avez des réels sentiments. Et ben c'est tout simplement la réponse à votre question. Il va se passer quelque chose dans la matière entre vous et elle ou elle et lui. Il y a bien un amour réel, vous le sentez, il y a une connexion et on vous dit il y aura l'adultère. Donc je pense qu'effectivement, vous allez passer à l'acte. Hein. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages? Ouais, on dit vous allez balayer votre passé au niveau du commerce. Voilà, donc c'est bien ça et emprisonnement, ouais, emprisonnement. En fait, vous étiez dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous tournez constamment en boucle, peut-être au niveau d'un commerce, vous travaillez en commerce, en magasin, dans une boutique, enfin bon, etc., etc. Ouais, magasin, boutique, c'est pareil. Ok, Aurore, merci. Y est pas. Bref, vous m'avez compris, je suis fatiguée. Donc, en fait, on vous dit tout simplement que vous étiez bloqué, vous étiez emprisonné, vous étiez en mode, comme dans un labyrinthe et vous n'arriviez pas à retrouver la sortie. On vous dit pas d'inquiétude, de toute façon, vous allez balayer votre passé au niveau d'un commerce. Alors, soit vous allez le quitter ou soit vous allez changer de poste, on me dit là maintenant de suite. Vous allez enfin pouvoir mettre une fin à quelque chose pour redémarrer de plus belle et du coup d'arrêter d'être emprisonné, de vous sentir bloqué, de vous sentir compressé. On me parle de compression, d'être compressé, d'être stressé. Voilà. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a un changement quelque part ici. Hein. Oui, vous avez, c'est la clé du destin. Donc, c'est votre destinée. Et de toute façon, vous y allez avec grand pas et avec réussite. Alors, oui, bien sûr, on me dit peut-être que ce destin, cette réussite va être pour l'été prochain aussi. C'est fort possible. Chacun sa situation. Je le rappelle, c'est une guidance qui est générale. Les amis, ne pas l'oublier. On vous dit ici pour une femme. Voilà, pour une femme ici, hein, donc femme, homme, selon qui regarde la guidance et à qui ça parlera, hein, on vous dit, voilà, il y a bien une justice, la loi, il y a quelque chose qui va se remettre dans le bon ordre des choses qui doit se faire. Hein. Donc ne pas vous inquiéter, il y a bien la justice qui va être faite. On vous dit ici avec l'intelligence, vous êtes intelligente, vous êtes intelligent. Peut-être certaines personnes, vous avez aussi
le troisième œil qui s'expanse, peut-être ceux qui font de la méditation ou qui ont un don aussi comme moi-même, des capacités comme moi-même. On vous dit en tous les cas, vous ressentez au plus profond de votre cœur, de votre âme, l'amour qu'il y a pour cette personne à laquelle vous pensez à l'heure d'aujourd'hui. Et vous savez, vous sentez qu'il y aura un adultère. Vous le sentez, c'est dans vos tripes. Vous sentez qu'il y aura un adultère entre vous. Et regardez, hein, il y a bien la sexualité entre vous. Hein, vous sentez, hein. Alors attention, ne pas vous inquiéter, on me dit là maintenant, c'est en canalisation, il n'y a pas que le sexe, hein, alors voilà, mais ça y contribue, on est bien d'accord, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, oui, parce qu'il y a eu des mauvaises bases de départ avec un homme ou une femme ici, hein. On vous dit, il y a eu une mauvaise base de départ avec une personne, et on vous dit, ça va, vous allez balayer tout ce qui a été fait, ou peut-être trahi ou mensonge, d'accord, et que justement vous allez aller de l'avant, comme une renaissance, un nouveau départ, hein. Allez, s'il vous plaît, les guides. Oui, on vous dit, attention, besoin de repos, là. Vous avez besoin de repos, hein. Vous êtes un peu sur les nerfs, un peu tendu, hein, j'entends. Ouais, bah, c'est moi, ça. Moi, je suis tendu, par contre, hein. Tendu, je suis sous tension, hein. Donc, c'est pas pour les mêmes choses, mais voilà, moi, au niveau du travail, merci, quoi. C'est bon, quoi, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Y a-t-il d'autres messages clairs et précis? On vous dit ici, il y a un déplacement, une route. Donc, peut-être un voyage, effectivement, hein, mais pas sûr, peut-être simplement un déplacement, c'est-à-dire que c'est soit vous qui allez faire le déplacement vers cette personne et vous n'en pouvez plus, et pour retrouver la paix, eh bien, vous allez commencer à acter des choses, à dire des choses pour qu'ils comprennent les choses au mieux, ou bien, tout simplement, c'est la personne d'en face qui va venir à vous, qui va se déplacer, ou tout simplement qui va prendre la route, hein. Ça dépend de votre situation, oui. Vous êtes envoûté. Il y a une femme qui est envoûtée ici. Alors attention, hein, n'allez pas vous inquiéter. On ne vous a pas envoûté. La personne ne vous a pas envoûté. On ne vous a pas acheté un mauvais sort. Non. On vous dit tout simplement, vous en avez un ras-le-bol parce que vous vous sentez envoûté par cette personne. Donc c'est peut-être fort vous, hein, qu'en avez tellement marre que vous allez prendre la décision d'aller voir cette personne et puis d'ouvrir votre cœur. Hein. Parce que je sens que là, c'est un épuisement constant. C'est un épuisement constant. Ça vous obsède, vous êtes obsédé, j'entends, vous êtes obsédé par une personne, par une rencontre, une personne, voilà, on vous dit, il y a une nouvelle qui arrive à vous, il y a une nouvelle qui arrive à vous, hein, ça vient à vous, cette personne vient à vous pour vous annoncer cette nouvelle, on vous dit rapidité, avec rapidité. Alors, on vous dit avec rapidité, il y aura une nouvelle qui va venir à vous, mais on vous dit aussi avec rapidité, vous allez réussir à enlever les mauvaises bases de départ qu'il y aurait eu auparavant avec cette personne. Vous allez réussir à balayer toutes les mauvaises et regardez, la carte sexualité revient. Moi, je ressens, il y a une connexion entre vous corps à corps, visuel à visuel, parce que je sens pas que vous êtes déjà touché, hein, c'est bizarre. Les synchronicités sont là, en dos de deck travail, hein. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui vous travaille psychologiquement quand même, hein. Vous avez quelqu'un, constamment, vous êtes obsédé par quelqu'un et constamment vous pensez à cette personne, hein. J'entends, c'est aussi effet miroir, n'en doutez pas, si cela concerne vraiment à vous, cette guidance. On vous dit, vous êtes comme ceci, mais la personne d'en face est exactement pareil, ça fait effet miroir. Faut surtout pas que vous en doutiez. On vous dit encore ici avec le travail, hein, il est fort possible que vous travaillez ensemble, mais on vous dit que il y a peut-être avec la jeunesse, vous allez retrouver une forme de jeunesse. Attention, on parle de printemps, foyer, automne, ouais. Guérison, ouais. Voilà. Donc voilà les amis, hein, moi je pense que faites vos ressentis, c'est le plus important. Faites ce que vous avez envie, si vous avez envie d'exprimer, si vous avez envie de passer à l'action, faites. Le plus important, c'est d'être honnête avec soi-même et d'écouter son cœur, son âme, les amis. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allez, les amis, on passe aux cartelettes. S'il vous plaît, les guides, pour la concordance avec cette godance. Cette godance. Voilà, bon bah j'ai eu un peu la main lourde, mais c'est comme si, c'est comme ça, non, je suis vraiment fatiguée, arrête. Et des fois je me demande d'où j'ai ces voix. Voilà, bon bah le S est tombé tout seul, hein, vous voyez.
Allez, je me dépêche, on est rendu à 34. Allez, les amis. Ouh, allez, ici, on vous parle pour une femme. Alors, c'est soit une femme ou un homme, hein, c'est à vous de voir, hein, les amis, je ne vais pas y répéter. On vous parle que depuis le printemps, je regarde, oh là, depuis le printemps, pareil, hein, regardez, déplacement route, hein, les synchronicités sont bien là. Il y a un déplacement, une route à faire, ou que vous allez faire, ou quelqu'un, ou vous-même, vous allez vous déplacer. Pourquoi? Parce que votre situation vous semble bloquée et vous en avez ras la casquette. Voilà, les amis, tout simplement. En tous les cas, si c'est pas vous, c'est la personne en face. Elle va décider à se bouger parce que c'est bloqué entre vous. On vous dit, c'est une personne quand même qui va réussir à tout quitter pour vous. Et il y aura même forcément un déménagement. Alors, soit pour vous ou la personne d'en face ou mutuel. C'est pas beau, ça. Allez, nous avons la lettre S, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et la lettre R, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Ici, là, nous avons le chiffre 62 ou 26. Alors, ici, là, maintenant, on me parle. Année de naissance, âge, numéro d'habitat, l'amour inconditionnel avec 6 plus 2, 8. L'amour inconditionnel, on me parle. Eh bien, voilà, c'est tout ce qu'on me dit pour l'instant avec ça. On vous dit, hein, regardez ce qu'on disait tout à l'heure, une étoile brillante. Pour moi, faut pas que vous en doutiez, vous êtes une belle personne et la personne d'en face est une belle personne aussi. Alors attention, on vous le rappelle, chaque être humain, on fait des erreurs, mais jamais ressasser les erreurs. Laissez les choses venir et écoutez votre cœur, votre âme, c'est important. On vous parle ici de libellule. Alors soit vous voyez des libellules, pour ceux et celles qui pêchent encore, bon, bien que... en cette saison et en cette froideur, j'en doute, mais que peut-être possible, on ne sait pas. Moi, il m'est déjà arrivé de voir des pêcheurs quand je fais ma randonnée du dimanche matin. Voilà, voilou. On vous parle ici d'un dauphin, donc peut-être votre animal totem, ou tout simplement, c'est quelqu'un qui aime les dauphins, qui est fan de dauphins, qui a des statuettes de dauphins, ou tout simplement, c'est quelqu'un, le dauphin, qui représente quand même une forme de sagesse. C'est quelqu'un qui a une certaine sagesse, peut-être une différence d'âge, là, maintenant, de tout ce qu'on me dit. On me reparle de lapine, peut-être quelqu'un qui aime le tennis aussi et qui aime les lapins, lapines, tout simplement. C'est quelqu'un qui est quand même côté fleur bleue, même si vous ne voyez pas. Forcément, c'est quelqu'un qui sera attendrissant, c'est quelqu'un qui sera tendre, c'est quelqu'un qui aime être cajolé. Et être cajolé, pardon, je vais y arriver, et qui aimerait tout simplement vous donner son cœur. Il voudrait vous donner son cœur, et il aimerait avoir votre cœur. Magnifique. Il vous voit comme une rose, on me dit. Il vous voit comme une rose, une belle rose. Yeah. Les amis, s'il vous plaît, restez dans une forme de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout d'amour pour vous en premier lieu, d'amour pour autrui, s'il vous plaît, please. Et ne pas oublier une prière au moins une fois par jour pour les SDF qui sont dehors, qui crèvent la dalle, qui crèvent de froid, s'il vous plaît. Là, je suis contente. Récemment, j'ai vu, il y a un SDF qui a gratté un jeu, qui a gagné 500 000 balles. Je suis ravie pour lui et qu'il en profite pour une nouvelle vie. Hein. Merci, merci pour lui. Voilà, gratitude énorme pour cette personne SDF qui va pouvoir redémarrer. Franchement, de toute beauté. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, les amis. Et merci pour votre fidélité. Ciao, 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 ciao.